Bonjour Monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Moi très bien. Aujourd'hui on est là pour vous parler. J'ai été hier samedi. Aujourd'hui on est dimanche. On est le 20. Je sais plus. Je ne sais plus comment on est. 20, 24 aujourd'hui, c'est vrai. Je suis bête. Je suis complètement bête, mais c'est pas grave. On est le 24 aujourd'hui. Je vais pas parler trop fort parce que j'ai la petite à côté de moi. Elle est en train de faire sa sieste. Et pour le moment, c'est très 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 compliqué de la mettre, la coucher. Elle fait des crises, pas possible. Du coup, je vais profiter qu'elle dorme. On croise les doigts que je dois pas faire stopper la vidéo. Du coup, hier, j'étais au salon du livre de la romance à Mons. Ils le font une fois par an maintenant. C'est la quatrième année, je crois. Je sais plus. Il faudrait que je regarde. Je vous montrerai la photo. Voilà. Et du coup, j'ai fait des emplettes. Et du coup, je vais vous montrer ça et des petits goodies. Voilà. Ça. Un petit sac comme ça. Les sacs font du bruit. Du coup, ça la bouge un peu. Du coup, je me suis pris 7 jours avec mon pire ennemi. De Millie Broquet, Brooke, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et du coup, j'ai le marque-page, il est trop beau, marque-page, j'aime beaucoup. Et une dédicace, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai pris là-bas. Bon voyage en Irlande, belle lecture en compagnie de Kelly et Brian. Je vous parle de la quatrième de couverture. Quand Cathy et Betty Whoop, elle essaye toujours de faire en sorte d'éblouir au public, d'être au bout du monde. Oh, non, d'être au top du top pour attirer les hommes. Là-bas, elle peut jouer le rôle d'échappée de sa quotidien. Après, on prendra sa revanche sur la vie. Car malheureusement, tout est efforts 3 ans auparavant, un drame qui lui a laissé des séquelles psychologiques, mais aussi psychologiquement. Mais si elle tente de se reconstruire, malgré tout, elle n'est plus celle qui rigolait constamment. Elle est devenue quelqu'un d'autre, une personnalité froide, méfiante et distante. Un soir, quand elle se laisse aller auprès d'une routine millénaire priquée. Les choses ne se passent pas tout comme prévu, mais ce qu'elle avait encore moins imaginé, c'est de revoir Ali Alien à Lyon après avoir accepté l'invitation de cette cousine pour les vacances en Irlande et de retrouvailles sont explosifs. Mais peut-être qu'il est le seul à pouvoir en sortir de la prison mentale qu'elle a créée. Ouais, il me donne trop envie. Et au début de ce petit, il n'y a pas grand-chose, mais il est très beau. J'en ai entendu parler beaucoup et il me donnait très envie de lire. Et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Ouais, j'hésite parce que on est déjà fin mars et j'ai encore le challenge. La même. Par contre, ici, je suis pas la maison d'édition. Je sais pas vous dire. Du coup, la même bac décision 1000. La même autrice de chez Publishing. Là, par contre, il y a des petites musiques. Petites notes de musique. C'est la même autrice. Du coup, vous avez le gène marque-page qui est très beau aussi. Et bienvenue. Ouais, c'est le même message en fait. Voilà. Pour Whoop, 19 ans, c'est le retour du lycée après les vacances d'été. Elle rêve de percer dans la musique comme son père. Décider à compter bien y arriver. Y a dedans, je sais jamais les noms, excusez-moi, mais
Lui voit sa carrière de musique basculer lorsqu'il aperçoit sa copine dans les bras d'un autre. Il est temps pour lui de changer sa vie et il rejoint son ancienne école pour y remplacer le prof de musique. Leur première rencontre explosive pourtant, malgré leur intimité, une irrésistible alchimie opère entre eux et le destin semble acharné à la réussir. Parce que oui, Wadan, Wadan, je crois que c'est comme ça, je sais pas comment ça dit, est le futur demi-frère de Whoop. Ah ouais, d'accord. Comme lutter contre cette attirance dévorant en vivant sous le même toit et en étant censé devenir une famille. Ils vont se détester, se provoquer et surtout s'aventurer sur les terrains dangereux et très dangereux. Il est trop beau aussi celui-là. Lui aussi me donne bien envie de lire. Enfin, tous ceux que j'ai pris, c'est ceux qui me donnent envie de lire là maintenant en fait. Alors, après, j'ai un beau petit sac comme ça. On ne sait pas l'ouvrir de là. Il faut l'ouvrir de là. Mais elle l'a fermé. Et ça m'ennuie de le déchirer. Mais du coup, je ne vais pas avoir le choix de le déchirer. En plus, avec la petite pousse qui fait dodo, ça m'ennuie. Là, je vois qu'il y a des goodies. Il n'y a plus rien. Du coup, pour commencer, j'ai, il faut que je me mette une petite étoile. Voilà. Ça, c'est ma patte-patte. J'ai un crayon qui fait pinceau. C'est un bic. Bon, je sais pas écrire. J'ai écrit comment? Écrit noir. Ça fait en carton. Voilà. Après, j'ai des petits autocollants comme ceci. Comme ceci. Hop. Après, j'ai plusieurs marque-pages. Comme cela, et derrière il est blanc. Voilà. C'est comme ça, c'est quoi marqué? La romance qui nous ressemble. Chez Publishing. Voilà. Et là, c'est aussi un autre livre, tu peux toujours courser. Hop là. Et du coup, je vous montre qu'il y a cet homme. Ah! Et j'ai un crayon aussi comme ceci, des notes de musique. Voilà, c'est comme ça. Le tome 1, au-delà de toi, tome 1 dans le cœur de Alain. Voilà. Et le tome 2, au-delà de toi, tome 2 pour les yeux d'art. Bon. Il me tombe bien aussi celui-là. Du coup, je vais vous lire le tome 1. J'ai pas vu, il y a demi. Et il n'y a rien au truc de chapitre. Du coup, c'est chez Publishing aussi, je crois, avec la petite. Mais ils sont très beaux. Alain est un mec à qui tout réussit. Étudiant, canon, toujours bien. Entouré, il conclut les enquêtes et n'a pas intention de s'attacher, mais ce n'est qu'une façon, une façade. Anne est une jeune femme au caractère bien trempé, mais ses secrets ont conflit, permettant avec son père de déterminer à quitter la maison.
familiale. Elle déteste par-dessus tout ce que les types comme Alain représentant, car il est refus d'avouer, elle croit, un grand amour. Rien ne semble pouvoir les rapprocher. Rien ne semble les destins se apprécier. Seulement une annonce, un appel au secours, une main tendue, une réponse à l'inconnu, des semaines à écrire, à tenter de se soutenir, sans savoir que derrière le mystérieux ami se cache Alain. Et il suffira d'aller au-delà des apparences pour découvrir que tout ce dont on rêve se retrouve en celui qu'on déteste. Ça, c'est bien dit. Et l'écriture, c'est comme ça. Voilà. Il me tente aussi bien. Voilà. Et du coup, je tricote des goodies. Et j'ai pas beaucoup. J'ai pas. Après, on va faire cela. Le baiser de Voulour et de Tana Terlo. Par contre, je sais pas quelle est maison d'édition. Couverture de. Et j'ai une dédicace. Bienvenue auprès de Bastin et Catelro. Puissais-tu passer du agréable moment en leur compagnie. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a fait un. Bon, elle avait mis des petites étiquettes là. Et là dans le fond, je sais pas si vous allez voir, là où c'est en relief, elle a marqué livre dédicacé par Sana Tairo et elle a marqué la date le 23 du 3 2024. Et la parité de ce livre. Regardez, trop bon. C'est que, comme vous voyez, je vais faire comme ça, tout le livre est noir et l'écriture est blanche. Et vous avez des jolis dessins. Hop. Voilà. Du coup, je voulais la quatrième de couverture, mais je voulais vous montrer, j'ai le tome 2 d'abord aussi. Là. Il est aussi dédicacé. Et il est aussi écrit noir et blanc. Enfin, la page en noir. Écriture est blanche. Voilà. Par contre, j'ai pas de. Ah oui, mais si. C'est vrai. Du coup, je vous parle. Parce qu'il est beau. Ils sont magnifiques, les couvertures. Je vous parle de. Du tome 1. Qui est bien gros. Je sais pas combien de pages il fait. Mais celui-là, il m'étonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. 547. Du coup, c'est à l'amour et un concept que ni Bastien ni Cherchi ne peuvent accepter tous les deux pour différentes raisons. Leur présent guide par leur passé tumultueuse. Ils avancent chacun à leur manière. Rien n'aura pu prédire ce qu'ils rencontrerait. Et pourtant, il suffit d'un regard, un échange pour que tout s'en mêle et se bouscule pour que leur destin entrechoque. Il suffit de regarder et échanger pour que tout se mêle et se bascule, que leur destin entre choc, ouais, j'avais lu, passer un vers l'autre pour le désir de la passion. Peut-être autoriseront-ils à toucher du bout de doigt le bonheur auquel ils se sont toujours refusés. Leur attraction et leur amour naissent, sont-ils si forts qu'ils ne perçoivent pas le danger, juste à ce qu'ils frappent à leur porte. Voilà. Sombre est mieux que relever le masque.
Oh, je peux pas. C'est quand il manque des petites illustrations, ce serait trop. Mais il donne trop envie. Voilà, du coup, le tome 1 et le tome 2. Enfin, comme je vous ai dit, tout me plaît. Et du coup, j'ai eu un petit sac avec. Elle ne savait pas mettre les livres dedans, mais il est plein de goodies. Vous n'allez pas le voir, si. Plein de goodies. Donc, on va ouvrir tout ça. J'ai déjà ouvert, hein, voilà. Là, j'ai un petit. Comme ceci. Hop, je vais retirer le petit nœud. Du coup, prévu. Oh, ça, c'est un livre qui sort le 29 du 11. Fausse apprend et se retrouver dans le. Un brouillard médic fait qui croit vous dire. Je vais vous montrer. Ce sera le prochain livre de l'autrice. Je ne sais même pas le nom. Je vous ai pas dit le nom. Ah si, Sana Taylor Lour. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Du coup, ça c'est le prochain. Voilà, sortie prévue le 29 du 11. Quentin mystérieux arrangeront avec une force fébre familiale. Lucie, belle et improvertie d'un passé douloureux. Voilà, c'est cette couverture-là qu'il va avoir. Voilà. Après, j'ai ceci avec un long texte. Mais je ne vais pas vous tous les lire parce que, voilà. Voilà. Là aussi, il y a un autre livre. J'essaie de ne pas vous faire trop de reflets. Voilà. Chaque fois, elle signe derrière. Enfin, non, pas tous. Parce que celui-là, il n'est pas signé. Là, on a. Je sais pas de. Baiser vous. Ah, bah, c'est ça. C'est de là. Ça, c'est un autre livre. Voilà. Je ne l'ai pas vu sur son stand. Marque-page comme ceci et comme ça derrière. Ouais. Voilà. Au rythme des battements de nos cœurs. Et là, il n'y a rien derrière, mais il est trop beau aussi celui-là. Et ben voilà le livre contre à courant. Ça, c'est le livre, celui qu'on a. Je vais les mettre dedans. À fleur de peau, désir, passion. Bon, même si c'est pas le tome 2. Le bibi. Voilà. Donc ça, c'est le tome 2 de celui que je vous ai montré. Ah oui, d'accord. Je vais pas montrer. Il y a ça comme ça. Et il y a l'autre... comme ça. À fleur de peau, fragile et volonté. Franchement, elle avait mis plein de goodies, plein de marque-pages. Mais là, c'est aussi tous les livres. Il est beau aussi, ce personnage. Elle a juste signé derrière. Bon, ça, c'est le troisième. Fleur de peau, confusion et sentiment. Ça, c'est le tome 2, je crois. Encore à fleur de peau. Là, c'est aussi pour un roman. Voilà. Faut apprendre. Regard échangé, attraction, attirance, passion entre Queen et Lucie. C'est intense, mais surtout intense. Désir non dit, une vérité à cacher. Ils ont entretien de tourbillonné, hivernal. Qui leur échappe le jeu de la séduction, les emporte dans les émotions incontrôlables, qui cédera
Le premier au risque de se brûler les ailes. Voilà. Ah, bah celui-là, c'est une romance de Noël. Une petite romance de Noël. Petite romance pour Noël. C'est ce que je viens de vous lire. Voilà, je vous mets la couverture. Et alors, du coup, c'est non-dit, chalet, famille, amour, Noël, passion, désir et quiproquo. Voilà, de ce roman. Voilà. Après. J'essaie pas de tout mélanger. Alors, j'ai une petite boîte comme ça. Je retire le petit nœud. Hop. Alors, dans ce petit. Je vais quand même remettre les petits. Hop. J'ai une petite potion, c'est genre de paillettes dedans. Oui, c'est des petites paillettes, une petite bouteille. Alors, là, j'ai un porte-clés avec une fleur. Une citation d'un livre. Hop, voilà, c'est des petits rubans. Là, je dois être un magnète avec un petit cœur. Et celui-ci, c'est un bracelet Infinity, mais je ne sais pas lire ce qui est marqué dessus. Voilà. Alors, petit ruban, je vais les mettre dedans. J'ai notre petit pochon ici. Du coup, là, j'ai le vert. Ça, c'est du de ce roman-là. Un petit verre et un marque-page plume. Alors vous avez une petite boule, une petite fleur et là un love. Ça je vais peut-être le garder. Voilà. Et après j'ai plein de petites cartes. J'ai un magnète comme ceci aussi. On va faire celui que j'ai ouvert hier soir. J'ai le nom de l'autrice. Je sais pas si vous allez voir. Si vous avez besoin, me demandez-moi. Ouais, vous avez le livre. Et après, c'est des cartes. Ça, c'est le tome 1. Le tome. Je sais pas si vous allez voir vraiment. Tome 2. Ouais, après, vous avez des petites situations. Voilà. Et c'est quoi qui est marqué? Regarde. Un regard échangé, une attirance et désir, leur destin s'accroche, se mêle et s'entrechoque. Et puis vous avez des petites citations dessus. Voilà. Voilà, c'est le tome 1, le tome 2. Et puis vous avez des petites citations. Je vais pas tous vous lire, mais vous voyez, c'est comme ça. Hop, voilà. Et je suppose que c'est le même pour les autres. Oui, c'est bien emballé. Hop. Voilà, ça c'est le livre que je vous disais. Contre à courant. Voilà, et c'est aussi. Là, vous avez le livre. Avec les. Voilà, et vous avez les citations. Voilà, du bouquin. Hop. Et c'est le même pour celui-là qui est. Au rythme des battements de nos cœurs. Voilà. Et là, vous avez aussi la même chose. Une lettre des modernes. Enfin, c'est le même quoi. C'est joli ça. En fait, c'est le même, c'est des situations quoi. Ah, amour, amitié, lycée, lettres, famille, maladie et plume. Voilà tout ce que vous retrouvez dans le roman. Mais après, voilà, c'est toutes les petites citations du livre et ça se présente comme ça.
Oui, c'est toutes les mêmes à chaque fois. Enfin, toutes les mêmes, non, avec des autres citations. Mais c'est des citations. Du coup, on va mettre tous les goodies dedans. Dans le petit sac. Voilà. Parce que, et ficelle, il faut que je fasse gaffe à mon chat. Hop. Parce qu'il va tout piquer. Ah, oh, j'ai une crampe dans ma jambe. Et il me reste deux livres à vous présenter de Illy et Vanis. Je me suis pris celui qui me tentait depuis un moment. Du coup, voilà. J'ai eu un marque-page. Une petite carte. Et une dédicace. Bienvenue à Rock You. À Oula Danger. Ou une... Je vais pas lire. C'est un peu argenté. Du coup, voilà. Oh, j'ai mal mes jambes. Du coup, il n'y a jamais été aussi proche de sa libération. Elle n'a jamais été aussi attirée par un homme. À quelques jours de sa sortie, il risque le pire. Comme le meilleur. Elle, Ayas, arrive au bout de la chaîne. La prison, il y a passé la moitié de sa vie en plein canicule, tout en effort de suivre dans cet enfer. Un rayon de soleil débarque, isale. Quelques minutes passées ensemble, il se comprend que son univers risque de voler en éclats. Isla, bibliothécaire, a été assignée au pénitentiaire de Rochewood, un des plus dangereux du pays, bien décidé à faire gêner Lord dans son nouveau fil. Se devient rapidement une cible des pires criminels. A peur par cet homme, sans froid ni loi, elle pourra toutefois compter sur le protection d'Als, le boy qu'il a intérieur dès ses premiers regards, celui qui a décidé de le protéger coûte que coûte et qui l'attira de plus en plus. Mais à quel prix? Il me tentait depuis un moment. Je le voyais passer partout. Et c'est juste comme ça. L'auteur du chapitre. Voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter de la même autrice, Evan, je crois que c'est comme ça. C'est Recherche désespérément colloque. Moins sexy, nerveux, je sais pas, j'aime beaucoup la couverture par contre de celui-ci. Donc voilà. J'ai aussi une petite affiche avec une petite moto. Et je suppose le marque-page, l'élégantesse. Et alors, ça c'est la couverture en brochet. Et ça c'est la couverture en back. Et là, toc toc, le temps passe. Jess ne deviendra pas craquant, mais Matty est insidie. Les trucs de chapitre sont comme ça, avec des petites fleurs. Celui-ci aussi me tente bien. Jess, elle déteste, elle adore ça. Alors, Jess fuit son passé blessé par un mal qu'il lui a fait. Pourtant, quand il apprend que la ville de ses parents risque d'être détruite, il n'a d'autre chose que de revenir et de louer une chambre en ville. Celui-ci pourrait être parfois sans le rouquin intensidé qui lui
Serre de colo. Onde. Ses nuits. Colloque entre ses nuits et ses journées. Problème Matilda. Je sais pas comment ça prononce. Matilda. Déteste. Et c'est mieux comme ça. Karina n'est pas que pour 3 mois et pas un de plus. Alors pourquoi arrive-t-il pas ignorer cette femme aussi impertinente et fabuleuse? Non, bon sens, craquante pour celle à qui il cache un secret, serait le pire idée du monde. Et si c'était aussi la solution pour évacuer leurs sensations et attirer autant qu'ils se détestent. Or, peu à peu, Mathilda rallume et éteint en lui celle qu'il pensait avoir éteint. Jess sait qu'il devrait résister et refuser son attachement. Oh, le soleil qui arrive. Son attaché, mais les habitudes au cœur, au corps d'un soir de solitude ne lui avaient jamais semblé aussi cruel qu'avant elle. Esme tout lover, colloque foncé, proticité, fouille. Full famille. Voilà, enfin en soit il est trop beau, il me donne très envie. Il est trop bien, je suis trop contente. Voilà, du coup, faut que je retire ça. Ça avec. Hop, hop, hop. J'ai pas énorme. Oh, c'est lourd quand même. Il m'en manque deux encore. Je sais pas si je vais savoir tout prendre. Oh, on va baisser la caméra, ça sera plus facile. Voilà les petits achats que j'ai fait au salon du livre. Pour moi, j'ai pas abusé. Je crois que l'année passée, j'avais craqué pour plus. Voilà. Du coup, voilà. Mais je suis très contente de mes achats. Du coup, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est d'aller finir un livre parce que enfin finir mon livre parce que j'ai envie trop de lire un de ces livres là, enfin je sais pas lesquels que je vais lire, mais j'ai trop envie de bouquiner. Voilà, trop envie de mettre ça dans mon, même si j'ai mon chat, j'ai peur qu'il me l'abîme. Voilà ma petite plume, mais j'ai trop envie. C'est, est-ce que ça tient bien? Moi j'en ai un mais il abîme le coin. Regardez que c'est beau. Voilà. J'ai trop envie. Du coup, je vais vous laisser. Et dites-moi en commentaire si vous, s'il y en a un de vous qui a été au salon du livre et ce que vous avez choisi. Ou s'il y en a un qui vous plaît dans ce que je vous ai montré et que vous avez envie d'en savoir plus. Mettez-moi en commentaire. Du coup, voilà. Et je vais essayer de vous monter la vidéo plus vite pour vous la mettre. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard. Je vais aller chercher le bibi de mademoiselle qui fait encore dodo. Ça m'ennuie de la réveiller, mais c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et ça me fait plaisir. De mettre un petit pouce, de vous abonner, j'ai déjà dit, et un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!